L'université de Vienne est le berceau de l'école autrichienne d'économie qui, depuis le 19e siècle, présentait une alternative aux théories dominantes de l'époque. La différence avec l'économie classique était qu'il traitait non pas de grandes entités sociales, de classes, mais qu'il s'intéressait aux individus, aux décisions des acteurs individuels du marché. Donc, nous sommes dans un monde entièrement individualisé avec des consommateurs individuels, des producteurs individuels, considérés comme des petites entreprises indépendantes. Et c'était un individualisme extrême. Je pense que c'est une affaire de classe. C'était la peur panique du bolchevisme. La révolution russe avait eu un impact énorme en Europe. Elle terrifiait littéralement les classes possédantes à travers tout le continent.